Je m'appelle Delphine Mirx, je suis employée depuis le 1er octobre 2015 par les Archives Générales du Royaume dans le cadre du projet Jus in Belgium pour une durée de 3 ans. Je suis historienne de formation, j'ai étudié à l'Université Libre de Bruxelles il y a déjà longtemps, avant d'effectuer un doctorat à l'Institut Universitaire Européen à Florence, en Italie. Et j'ai postulé pour le projet Jus in Belgium parce que je trouve que c'est un projet très intéressant et très important qui va permettre de mettre en valeur des sources qui jusqu'ici ont été sous-exploitées et sous-estimées. Het doel van het project is de identificatie, de beschrijving en digitalisering van de gerechtelijke stukken die worden gevonden door de Belgische instanties bevoegd voor de berechting van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. En de focus van het project ligt eigenlijk op 3 periodes, waarbij we de berechting van de Duitse oorlogsmisdadigers na de Eerste Wereldoorlog, dus tijdens de jaren 20, viseren. De berechting van de Duitse oorlogsmisdadigers na de Tweede Wereldoorlog, eind jaren 40. En tot slot de Belgische deelname aan het Rwanda-tribunaal in de jaren 1990. Voor het Jus in Belgium project werkt het Rijksarchief samen met de Université Libre de Bruxelles, de Katholieke Universiteit van Leuven en de Philips Universiteit van Marburg. En de reden dat we betrokken zijn bij dit project is omdat een groot deel van de archieven van de gerechtelijke stukken in onze collectie worden bewaard. En ja, dat we ook binnen onze instelling heel wat deskundigheid hebben om die stukken ter beschikking te stellen en te valoriseren. Voilà, donc dans le cadre de Jus in Belgium, nous avons mis à contribution les étudiants de Master 1 de l'Université Libre de Bruxelles, étudiants en histoire contemporaine. Donc dans le cadre du séminaire, cette année, on les fait travailler sur des dossiers qui rentrent dans le cadre du projet Jus in Belgium. Il s'agit principalement de dossiers relatifs au jugement des criminels de guerre allemands après la Première Guerre mondiale. Ce sont des archives qui ont un parcours un peu particulier puisqu'il s'agit du fonds de Moscou qui a transité par l'Allemagne en 1940 et qui a ensuite été saisi par les Russes en 1944 et emmené à Moscou. Et ces archives n'ont fait leur retour en Belgique qu'en 2002. Une partie de ces archives se trouve au musée de l'armée et une autre partie se trouve ici à Cuvelier, aux AGR2. Il s'agit de la partie produite essentiellement par la justice militaire et civile. Voilà, on a créé donc un formulaire en ligne qui permet aux étudiants d'encoder directement la description des pièces d'archives. Donc ça reprend tout un certain nombre de critères et de champs qui sont intéressants dans le cadre du projet. Donc non seulement le nom du criminel jugé, mais aussi le nom des victimes, les chefs d'inculpation, les sentences prononcées, et voilà. Een groot deel van de bronnen zijn nauwelijks ontgonnen voor onderzoek, moeilijk raadpleegbaar, verborgen in allerlei archieven die nog niet ontsloten zijn. Dus via dit project is de bedoeling om die toegankelijk te maken, zichtbaar voor het publiek. En de bedoeling is ook om op die manier te komen tot een soort kritische geschiedenis van de rol van justitie op of binnen de context van oorlog en massageweld.